Au cœur de la jungle urbaine, l'art de rue répond par un appel d'urgence. Regardez la réalité en face. Le message de Khalouf, graffeur lyonnais, cherche à surprendre. Et donc ça, c'est des palettes que tu as trouvées Ouais, que j'ai récup, quoi. Sur ces supports, tous recyclés, il interroge la disparition de certaines espèces menacées. Qu'est-ce qu'on va laisser un peu aux futures générations de notre planète, quoi, vu l'état dans lequel on la met depuis quelques décennies, et notamment l'orang-outan, voilà, qui en 15 ans a perdu la moitié de sa population. Une exposition engagée et l'occasion de faire exploser les codes. Mettre la peinture en mouvement, faire vivre le street art, c'est tout l'enjeu de ce nouveau lieu. Une galerie associative qui rassemble autour d'elle 70 artistes lyonnais et internationaux. C'est un lieu qui est ouvert au public en permanence, toute la semaine. Il est possible de venir voir l'exposition, de boire un café, de s'attarder avec ses amis, juste travailler et de participer à toute la programmation qui évolue au fur et à mesure de l'année. Rencontrer les artistes, bien sûr, c'est le but. Tous les ateliers sont animés par les artistes viennent souvent eux-mêmes travailler d'ici. Le temps pour la planète est désormais compté. Khalouf persiste et signe sur une des œuvres à découvrir jusqu'au 13 octobre. Chaque mois, de nouveaux graffeurs seront à l'honneur sur ces murs et bien d'autres dans les rues alentours. Un premier partenariat a déjà commencé sur la façade de ce restaurant voisin, repensé par un artiste mexicain.